Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres pour les enfants. Si vous voulez savoir plus d'informations, pourquoi j'ai mis en place ce type de vidéo, n'hésitez pas à regarder la première qui est sur ma chaîne. Et bien c'est parti, je vais vous les présenter. Le premier livre que je vous parle, c'est Roule ma poule. Alors pour celui-ci, j'ai un avis assez mitigé, à la fois positif comme à la fois j'aime pas trop ce livre-là. À l'intérieur, en fait, on peut retrouver beaucoup de sons, de répétitions et de fins de mots qui sont très similaires. Je rappelle que ces livres-là, en fait, je les fais lire du coup aux enfants qui sont à la crèche. Et la plupart, ils ont moins de 2 ans, d'autres ont plus de 2 ans. Et donc, bah, ça permet de savoir, en fait, sur différents tranches d'âge, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment un peu moins. Et là, pour le coup, moi, j'ai remarqué que chez les plus grands, qui ont un peu plus de 2 ans, ça leur faisait rire tout ce qui était répétition. Je trouve que les illustrations sont très jolies, mais pour moi, ce livre-là... Bah j'ai pas trop aimé, après bah il peut être intéressant pour les plus petits parce que comme je vous disais il y a la répétition mais en soi le livre en lui-même j'aime pas trop. Je sais plus ce qu'il y avait dans le livre mais il y avait une roue, une poule, ma boule qui roule. En fait des fois on peut s'en mêler aussi un peu les pinceaux pour le lire donc après est-ce que ça suscite aussi l'intérêt et le rire à travers tout ça je ne sais pas. Mais pour ma part j'ai pas trop aimé ce livre là. Le deuxième livre que je vous présente c'est Dr Pop. Pareil c'est une collection que je trouve très belle. Et comme à chaque fois que je lis ce livre là ou que en fait mes collègues le lisent, les enfants sont captivés par ce livre. Je pense que c'est notamment par le biais des couleurs primaires qui sont très parlantes et qui donnent vraiment envie et qui accrochent l'œil finalement au sein de ces histoires. On est pareil sur un type d'histoire de dialogue en fait très court mais en fait qui sont aussi très intéressants pour les enfants. Parce que d'une part ils peuvent se mettre en fait à la place des personnages, donc à la place de Zazu, de Pop et puis il y a d'autres animaux en fait qui sont tout aussi intéressants. Et ce que j'aime encore plus quand il y a différents personnages comme ça c'est qu'on peut changer en fait de voix, on peut prendre une voix un peu plus grave, d'autres une voix un peu plus aiguë, donc je trouve que ça fait tout le charme en fait de l'histoire et c'est ce que les enfants ils adorent en plus de ça, c'est qu'on change de voix parce que tiens bah donc cet éléphant là va prendre une grosse voix alors que des fois je me dis c'est vrai que j'aurais pu prendre une voix un peu plus aiguë, je sais pas pourquoi. Mais voilà, enfin, franchement, ils adorent à chaque fois. Surtout quand je fais une grosse voix pour un personnage, à chaque fois, les enfants, ils me regardent en se disant, est-ce qu'elle est en colère ou est-ce que elle est en train de lire l'histoire. Et comme à chaque fois, un truc que j'ai lu il y a pas très longtemps, c'est que quand on lit une histoire, les enfants, ils sont captivés et c'est comme s'ils étaient acteurs de l'histoire dans le personnage principal. Donc en fait, ils vivent l'histoire. Et ça m'a fait trop plaisir d'entendre ça parce que moi qui adore lire des histoires avec les enfants, bah franchement ça m'a fait pas trop plaisir en fait de me dire bah ce genre de moments partagés avec eux à travers un livre, bah c'est trop beau en fait. Le troisième livre c'est Petit loup fait une colère. Donc j'avais emprunté ce livre là à la bibliothèque parce que j'étais partie sur une thématique par rapport à la colère. On est sur des enfants en fait à la crèche qui ont moins de 2 ans mais qui passent sur le cap des 2 ans. Et le cap des 2 ans c'est vraiment là où les émotions peuvent être très fortes ou... En fait ça peut être très vite décuplé parce que ils sont dans l'affirmation. On peut aussi avoir cette phase des trouble 2, donc en fait la phase des 2 ans qui sont terribles. Bah du coup je me suis dit vu que les petits loups, cette collection là que j'adore et qui fonctionne très bien chez les enfants, pourquoi pas l'utiliser en fait pour expliquer aux enfants pourquoi elle est là cette colère, d'où elle vient et comment on peut la canaliser et la comprendre en même temps. Ce que j'aime à chaque fois dans ces livres là des petits loups c'est que les histoires sont toujours très bienveillantes. La maman ou la mamie ou le papa en fait accepte l'émotion de l'enfant et ensuite cherche des idées, des astuces pour en fait soit peut-être détourner ou apprendre de cette émotion ou autre chose en fait finalement. Mais c'est toujours dans la bienveillance. Je trouve qu'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de chantage affectif, il n'y a pas tout ça en fait. Et du coup bah, c'est très rassurant de voir que ça y est en fait dans des livres là maintenant on a de la bienveillance et de l'éducation positive. C'est tout un ensemble mais dans cette collection là il y a toujours des thématiques qui sont bien précises et intéressantes pour les enfants et même aussi les parents parce que parfois on se dit tiens c'est marrant j'ai envie d'être sur la thématique du pot, j'ai envie d'être sur la thématique du déménagement, sur le fait d'avoir un petit frère ou une petite soeur, enfin bref tout ça et ben je trouve que ça permet à l'enfant de se situer dans cette nouvelle façon de vivre mais de l'ancrer petit à petit en lui expliquant. En plus c'est top parce que du coup bah, chaque enfant peut se retrouver à travers Petit Loup parce que ils sont à peu près du même âge qu'eux, ils vivent un petit peu les mêmes émotions au cours de la journée. En fait ce sont des situations que chaque enfant en fait, peut se représenter avec ses parents ou alors avec des professionnels de la crèche ou bien les grands-parents etc. Et comme à chaque fois moi j'adore les illustrations de Petit Loup parce que c'est très bref mais elles sont trop jolies, j'aime beaucoup.
Le quatrième livre, c'est Petit ours brun n'a plus de couches. Alors pareil, j'étais aussi partie sur cette thématique parce que il y a des enfants aussi qui se lancent un petit peu dans la propreté, qui découvrent leur corps. Je me suis dit, tiens, je vais partir sur ce livre-là. Généralement aussi, les petits ours bruns fonctionnent très bien. D'ailleurs, moi, c'est ce que je lisais quand j'étais plus jeune, donc c'est pour vous dire que ça date depuis déjà un moment. Alors ce que je trouve vraiment bien, parce que c'est expliqué petit à petit pourquoi Petit ours brun ne veut plus de couches, comment il sent qu'il est prêt en fait à aller sur les toilettes, que l'erreur en fait elle est acceptée et que c'est pas grave parce qu'il a le droit de recommencer. Donc ça aussi je trouve qu'on est vraiment pas dans le refus, on est vraiment dans l'acceptation pour ensuite qu'il apprenne de ses erreurs et de se dire, enfin pour moi c'est même pas une erreur en fait, c'est l'apprentissage. Et je me dis que si un enfant bah fait pipi par terre ou encore dans sa couche et qu'il a pas envie d'aller aux toilettes, c'est pas grave, en fait il y va petit à petit. Donc vraiment ça j'adore. Je recommande ce livre pour les enfants qui veulent arrêter les couches d'eux-mêmes et ensuite ceux qui ont envie de tout simplement commencer à aller sur le pot. Les enfants ils ont adoré ce livre là en plus de ça c'est une histoire qui est très courte, donc facile à lire, facile à comprendre, et en tout cas c'est bien expliqué pour les enfants. Donc vraiment si vous vous êtes parent ou vous êtes professionnel de la petite enfance et que vous aimeriez aborder en fait ce sujet de la propreté, n'hésitez pas à opter pour ce type de livre pour expliquer un petit peu aux enfants comment ça se passe et qui peut aussi l'emmener un petit peu partout ce livre là justement parce que ça peut-être les aider. Et n'hésitez pas non plus peut-être à leur laisser le livre là quand ils sont sur le pot. Le dernier livre que je vous présente c'est Choupi déménage. Je suis partie sur cette thématique de livre parce qu'on a plusieurs enfants qui ont déménagé. Je dis que en partant sur cette thématique ça, on pouvait leur expliquer à la crèche, même si j'avais déjà posé la question aux parents s'ils avaient déjà un petit peu abordé ce sujet à la maison. Ils m'avaient dit que oui, mais je voulais aussi un petit peu les rassurer en utilisant ce type de livre pour leur expliquer comment ça se passe, que en fait du jour au lendemain leurs routines peuvent être chamboulées, qu'ils sont plus dans la même pièce pour dormir. Enfin bref, il faut tout recréer finalement parce que c'est tout un environnement, un ensemble qu'il faut en fait se réadapter. Parce que pour un enfant en fait peut-être qu'on peut se dire bon il va vite s'adapter, au final ça dépend d'un enfant à un autre. Si l'enfant a besoin de plus de temps pour en fait comprendre ce nouvel environnement, cette nouvelle maison, cette nouvelle chambre, bah, je pense que par le biais de ce livre là je pense que ça peut être toujours être très intéressant d'opter sur cette thématique et de leur expliquer. J'ai remarqué qu'à la crèche les enfants ils réclamaient beaucoup de Choupi. Enfin, je sais pas si c'est l'illustration qui leur donne envie ou bien le fait que ça soit des histoires courtes. Pour ma part je les adore, j'adore ces illustrations aussi. Ça fait longtemps en plus que les Choupi ils sont sortis, mais franchement moi j'apprécie énormément. Franchement j'adore les lire avec eux parce que elles sont courtes, elles sont faciles à comprendre, faciles à lire, et l'illustration bah c'est sûr qu'elles accrochent l'œil. Du coup voilà pour l'ensemble de ces livres. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ces livres pour enfants et si vous avez d'autres livres à me recommander, et je vous dis à bientôt.